Voilà, c'est le coup d'envoi du 15e hiver de Maraude sans abri, ici avec cette équipe 2024-2025 que je remercie. Il y a 15 ans, j'étais ici avec mon équipe de bénévoles de l'époque, place Antonin-Poncet qu'on voit derrière moi. Sur la place où il y a les vestiges de l'hôpital de la Charité, on voit ce vestige qui est sur la place derrière. Et c'est là où il y avait la Charité lyonnaise. Depuis 15 ans, on prend le démarrage de notre maraude tous les mercredis de l'hiver à 19h de cet endroit pour faire acte de charité humaine. Coup d'envoi, Dominique, ce soir, avec des personnes, on a trouvé des jeunes, dont un Ukrainien qui est prêt à repartir au combat, qui est à la rue, mais pour l'instant, il reste là et on l'a aidé. On a retrouvé un couple de sans-abri dont la jeune femme a trouvé un emploi, donc c'est bien. On leur a donné une toile de tente et des choses, ils étaient heureux. On a trouvé notre ami Marco, rue de la République, qui est en situation de errance planétaire parce que c'est un globe-trotteur. Et puis, on a vu ces hommes qui sont à la rue, ces gens en grande difficulté. Il y a 15 ans, on était au même endroit, même situation. Qu'est-ce qu'en pense Dominique? 15 ans après, ça n'a pas bougé. La situation n'a pas évolué, au contraire, elle a empiré. Et ça, franchement, ça amène rien de bon pour les futures années non plus. Parce qu'on sait que tout le monde est en difficulté. Je pense que même nous, quand qui travaillons, c'est compliqué. Mais alors pour eux, c'est encore pire. Et malheureusement, on ne fait rien, à part les associations, on ne fait rien pour les aider. Alors, c'était il y a 15 ans. On va faire un compte à rebours. 15 avec moi. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 sans abri. 0 sans abri. Encore cet hiver, je vais demander à monsieur le président de la République lui-même de me recevoir. Le zéro sans-abri, c'est possible. Donner la main dans le soi à toutes les solutions à condition d'être reçu par le président de la République. On était là avec Dominique à l'Élysée le 5 juin 2019. Nos propositions sur le bureau sont parties à la poubelle. Cette fois, on demande à être reçu directement par le président de la République. On va lui expliquer comment en France on peut faire du zéro sans-abri. Et je voudrais saluer mes amis de la Guadeloupe qui, eux, font du zéro sans-abri. Il n'y a pas de sans-abri en Guadeloupe. Prenons exemple, monsieur le président de la République, sur nos amis de la Guadeloupe. Ils n'ont pas de gens qui font la manche. Ils n'ont pas de sans-abri. À méditer, monsieur le président de la République. Je vous donne rendez-vous dans votre bureau très prochainement. Merci de nous recevoir.